communication, l'écoute et la compréhension sont des piliers essentiels pour la réussite d'un couple. Cependant, lorsque l'un des conjoints ne partage pas ces éléments, cela peut fragiliser la vie de couple. Mesdames et messieurs, bienvenue dans En couple une histoire, votre émission qui vous fait voyager à travers les histoires des couples et qui transcende les générations. Nous recevons pour vous ce jour Monsieur et Madame Dion. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble leur portrait. Les années 80 ont été l'époque amoureuse pour les Dion. Encore tout jeune et plein de vigueur, Yula Dion fait la rencontre de Mawazio, une jeune demoiselle à la belle allure. Le couple se forme quelques temps après et c'est en 2000 qu'ils décident de se passer la bague au doigt. Après plusieurs années d'amour et de vie commune, avec 7 grands enfants, Monsieur Dion, prospecteur à la retraite, et son épouse commerçante tiennent bon malgré les vents et marées dans leur vie de couple. Chers téléspectateurs et passionnés d'un couple en histoire, je suis tentée de vous dire ce jour « Kwayeko », qui signifie tout simplement « il y a la place ici ». Donc vous avez votre place dans « En couple, une histoire ». Et nous recevons pour vous ce jour Monsieur Dion Yula. Il est prospecteur à la retraite à Seo. Et sa ravissante épouse, Zio Mawa. Elle aussi commerçante. Assez haut. Nous venons de voir un élément. Est-ce qu'on retrouve, on parle de vous dedans, dans ce qu'on vient de suivre? Oui, on vous écoute. On parle de vous. Le Yakuba, il n'est pas trop écorché, hein, c'est bon? C'est bon? D'accord. Cette émission aura une coloration particulière. Vous comprenez qu'avec Un couple, une histoire, nous ne nous limitons pas non seulement aux barrières de langue. Elle est avec nous, notre conseillère maison. Elle est coach, formatrice, architecte de vie, Diante Afoué Emmanuela Atiafi, ACO. Ao. Voilà, et avec elle, on est allé simplement en pays guéré. Comme pour dire que dans En couple une histoire, nous recevons tout le monde. Il n'y a pas de barrière linguistique. Nous allons pour la toute première rubrique de cette émission. Nous parlons d'amour, de rencontre, dans romance. Dans la rubrique romance, nous allons découvrir comment est-ce qu'a commencé cette histoire entre Monsieur et Madame Dion. Alors, papa, j'ai comme ça envie de vous demander, quand est-ce que vous l'avez vu pour la première fois? Bon, je voulais voir. Bon, merci, madame, pour la question. D'abord, j'ai été élevé par mon oncle en bas âge. Je n'ai pas connu un tel que tel, ma maman. Hein. Donc, je suis allé à l'école. Oui, l'école aussi n'a pas marché. En troisième, j'ai été renvoyé au collège Moulin de Guiglou. Je suis à la maison. C'est là, mon oncle, là, dans la famille, là, il a cherché, à me donner déjà une femme. Et c'est une commerçante. Dans le marché, où elle assise, là. Elle regarde, elle est là, elle a vu la femme. Je vais t'épouser pour mon fils, Dion. Et ça remonte à combien d'années? C'est en 1977. C'est en 1977 qu'il rencontre sa promise. Oh, voilà. C'est clair, je ne suis pas encore né. Voilà. Et non. On vous la présente. Non. Et ça a été mon choix aussi. J'ai accepté. Ok. Et quand vous l'avez vu, c'est quoi qui vous a plu chez moi? C'est la manière de travailler, d'abord la beauté, et la manière, le courage de travailler pour aider la femme de mon oncle. Elle était seule dans la famille. Elles sont deux, elle est mariée, mais l'autre là, ses enfants. Celle-là n'a pas aussi assez d'enfants. Donc, dans ça, elle a choisi. Là, elle dit, bon, moi, avec l'école, je ne suis pas parti, mais donc,
je voudrais une femme à côté de moi pour pouvoir aussi me débrouiller. Et c'est comme ça que vous l'avez rencontrée. Voilà. Maman, quand on vient vous dire qu'on va vous présenter quelqu'un, quelles sont vos appréhensions? Vous dites quoi? Et ça, il a dit, quand j'étais jeune, il y avait un jeune qui voulait me marier, mais ma grand-mère n'est pas élue. Donc, j'ai laissé tout dans la main de ma grand-mère. Comme il a fait soi, aussi, il a dit que son oncle-là, il le plaît, que si je suis dans sa main, je serai à l'aise. C'est dans ça, j'ai accepté son choix. D'accord, donc on vous l'a présenté et vous avez accepté le choix et vous vous êtes mis en couple. Le choix de ma grand-mère. Donc il était le choix de votre grand-mère. Il y avait un autre jeune qui était venu, mais qui ne correspondait pas forcément aux critères de la famille. Comprenez, à vous qui nous suivez, nous sommes en 1977. Voilà, il est important de situer le contexte pour que vous puissiez comprendre exactement l'histoire d'amour qui unit ces deux personnes. Et qu'est-ce que vous aimez faire à deux? Qu'est-ce qui fait, ou si vous voulez, qu'est-ce qui fait qui vous plaît? En tout cas, par notre parcours, ce qu'il a fait qui m'a plu, il a bien veillé sur les enfants. En tout cas, il s'est bien occupé des enfants. C'est ce que j'ai apprécié sur lui. Monsieur Dion, qu'est-ce que vous avez aimé chez votre femme, dans son comportement, dans ce qu'elle fait? C'est une bonne question. Ce n'est pas tellement la beauté, mais c'est le courage. En matière de chercher la nourriture, elle est au four et au moulin. Donc, elle prend soin vraiment de la famille. Elle sait se battre pour ramener les vivres à la maison. Ouais. D'accord. Et vous avez vécu combien de temps ensemble avant de la demander en mariage? Pour nous, chez nous là-bas, on est à peu près comme une djoula. Moi, son oncle m'a adopté avant de venir chez lui à la maison. D'accord. Donc, son oncle vous a doté. Donc, quand vous rentrez, vous êtes déjà doté. Et vous avez mis combien de temps avant d'aller faire? Vous avez fait le mariage civil, non? On a fait le mariage civil après 25 ans. Après 25 ans? D'accord, donc c'est après 25 ans que vous avez fait le mariage civil. Et aujourd'hui, vous avez combien d'années de mariage? 45. Waouh! C'est beau, est-ce qu'on peut les applaudir? Ils ont 45 ans de mariage. Waouh! C'est à encourager, c'est à féliciter. Lorsqu'ils vous annoncent qu'il y a le mariage civil, comment est-ce que vous vous sentez? Comment? Tellement on a duré ensemble, ça ne m'a pas dit grand chose. J'ai laissé mes épatères vendre mon poisson. J'ai livré manioc à l'épée dans les petits verres. J'ai pris un bâché et m'a donné à les clients. Il dit, on va faire mariage et puis tu te promets. Il dit, hé, c'est quel mariage? Là, si on a duré dedans. Donc, il y a son frère, père à son âme, il est décédé maintenant. C'est les deux-là qui ont organisé le mariage. Ils ont préparé tout. Il me dit, il faut te reposer une semaine au moins pour que tu vas avoir la force et puis aller nous marier. Donc, je me suis laissé à la maison durant une semaine et puis on allait faire mariage. Et vous êtes dans quelle mairie? À l'Épée. À la mairie d'Alépé. Vous êtes marié à l'Épée. D'accord. Et le jour-là, quand vous avez vu votre femme arriver, maman, c'était quoi la sape déjà? Qu'est-ce que tu as porté? C'est vrai qu'on a vu un peu les photos. Sinon, j'allais porter même pas. Mais qu'est-ce que tu as porté ce jour-là? C'est Kita. Je suis allée faire achat de Kita au Ghana, en Noé à son temps, avec Dante. Un grand prix, 1 mètre à combien? 22 000. Wow. J'ai fait 1,5 mètre, ils ont fait avec Kita. Et papa, il avait porté quoi? Veste. Papa, le jour-là, est-ce que les enfants étaient là? Oui, les enfants. Ouais. C'était quoi? On était comment? Quel est le sentiment qu'on avait? Bon, c'est une joie. Hein? Quand un homme se marie au village, c'est une joie que... le jeune âge. Sinon, c'est pas facile d'être vieux sans marier. Tu n'es pas compté parmi les grands, les autres là. Tes frères là, tu es méprisé. Pas célibataire, tu fais rien, tu vois là. Et mes frères, mon neveu aussi, ses frères aussi, vraiment, ils nous ont aidés dans le mariage. Donc, il vous a aidé et finalement, vous êtes marié légalement. Légalement. Donc, vous avez 45 ans aujourd'hui de vie
commune, 45 ans de mariage. Mmh. D'accord, donc vous avez fait le mariage coutumier. Mmh. Vous êtes resté pendant 25 ans. Mmh. Et puis après ça, vous avez fait 20 ans mmh. de mariage civil. Mmh. Voilà. Donc ça veut dire, c'est là, justement, on comptabilise les 45 ans. Mmh. Donc je reprends pour vous qui nous suivez. Ils ont eu 25 ans de mariage coutumier. Et après ça, ils ont 20 ans de mariage civil. Donc ça fait 45 ans. Mmh. Avouez. Qu'est-ce qu'on a envie de dire quand on regarde ce couple? Bravo, ça donne envie et ça montre à la jeune génération qu'on peut tenir 45 ans dans un mariage et puis avoir le visage aussi reluisant que le couple Dion. Effectivement, ils ont l'air tout jeunes. On ne leur donnerait pas... on leur donnerait... 45 ans. La longévité d'un ménage est souvent reflétée par l'entente et la cohésion de celui-ci. Malgré les 45 années d'union, ces codes matrimoniaux ne sont pas toujours évidents chez notre couple invité. Vous voulez en savoir davantage? Je vous invite à suivre la prochaine rubrique. Malgré le caractère difficile de mon époux, j'ai su trouver mon bonheur à ses côtés. Avant de vous mettre ensemble, est-ce que vous aviez appris à vous connaître? Donc, c'est dans le mariage que vous êtes découvert. D'accord. Est-ce que vous associez papa? Est-ce qu'on associait maman dans les actions qu'on menait et tout? D'abord, c'est elle qui tenait le foyer. Elle nous aidait, elle est commerçante. Avant de faire tout, c'est elle qui commande. J'ai travaillé, mais je n'ai pas duré tellement dans le travail, mais tout compte. C'est elle qui faisait son marché. Elle est une commerçante, vraiment, à l'épée comme à Zaguier. Donc, c'est comme ça. D'accord, maman. Est-ce qu'on se sentait impliqué dans les décisions qu'il faisait ou bien... Il vous disait, bon, et moi je fais mes trucs, tu ne l'as pas fréquenté, il ne faut pas me fatiguer. C'est son comme ça. Il ne parle pas. Si ça le prend, il fait. Si ça ne va pas, moi aussi, comme je le connais comme ça, je ne fais pas attention à ses actions. S'il fait que c'est gâté, il vient et dit, ah, tu allais faire comme ça, ou bien il prend, ou bien il ne prend pas. Et puis c'est comme ça, on ne se coupe pas. D'accord. Et ça, ça dure combien de temps? C'est depuis combien de temps? Notre vie même, c'est comme ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans votre enfance qui vous ont fait accepter la situation comme ça et tout ça? Mon papa m'a laissé un an. Et puis, il est rentré. Mon papa, il est de Guinée. Ça m'a tiqué là. Mm-hmm. Mais il a peur de mon grand-père maternel. Donc, sa maman est venue le chercher et puis ils vont rentrer. Il voulait me prendre, mais il a peur de mon grand-père. Donc, il m'a laissé petite comme ça et puis il est parti. Je ne l'ai jamais vu. Donc, maman allait se marier. Le monsieur là, il ne m'aime pas. Toute douleur qu'il ressent pour mon papa là, il met sur moi, il ne m'aime pas. En tout cas, j'ai beaucoup souffert. À cause de ça, il n'est pas ma chère maman, c'est ma grand-mère qui était tout pour moi. Donc, quand vous avez quelqu'un qui voulait vous marier, vous vous êtes dit, voilà une solution. Solution maintenant n'est pas aussi solution, mais comme j'ai eu des enfants, je ne peux pas aller aussi avec les enfants dans la famille. J'ai attrapé mon cœur, j'ai fermé mes oreilles maintenant et puis... Est-ce qu'il est arrivé des moments où vous avez regretté? Je ne peux pas dire que je regrette parce que, en tout cas, j'ai réussi. J'ai lutté pour mes enfants, ils ont réussi, donc je n'ai plus regretté. Mais est-ce que quand ça se passait, comment est-ce qu'on vivait avec papa? Ce papa, c'est quelqu'un, en tout cas, parce qu'il m'a vue petite. Donc, où il m'a vue petite, là, c'est là-bas qu'il m'a vue, c'est là-bas qu'il m'a placée. Tout ce que je parle, où il m'a vue petite, là, c'est comme ça. Parce que sa tante même a marié aussi mon grand-père, grand-frère de mon grand-père. Mm-hmm. Donc, s'il vient voir sa tante là, il me voyait, j'étais petite. Donc, comme je suis sa femme, il ne me considère pas comme sa femme. Il me prend toujours où il m'a vu petite là. Donc, quand j'ai vu comme ça, je l'ai laissé.
Donc, vous avez accepté de vivre comme ça. Comme ça. Et maman, est-ce qu'il y a eu des situations, parce que vous dites qu'il vous prenait comme il vous a vu toute petite, est-ce qu'il y a eu des situations où vous vous êtes sentie pas considérée? Oui. Quand ils ont embauché à la Sauve Fort, et puis il allait prendre assurance, au lieu de faire comme ce que ton petit frère fait, il fait compte bloqué 5 ans, 4 ans, et puis il prend l'argent pour faire ses affaires. Tu ne peux pas faire, puis tu allais prendre assurance. Il dit, je n'ai pas fréquenté, mes idées sont bêtes. Moi, j'ai fermé ma bouche. Quand ils ont bouffé l'argent, maintenant il est venu. Il dit, ah, ils ont bouffé bon argent. Mais il y a un projet de construction qui est venu. Je vais m'adhérer et dire, ah, si c'est construction, je suis d'accord. Et c'est dans ça qu'il allait faire maison à Yopougon. Donc, c'est chez nous-mêmes, les enfants, c'est tout. Donc, ça veut dire qu'en fait, il ne prenait pas en compte tout ce que vous donnez comme avis. Mm-mm. Pourquoi ce, quand il parlait, on n'écoutait pas? C'est ça, mais c'est pas ça. D'accord, faut nous expliquer. Voilà. Tu sais, l'assurance, il faut t'approcher de quelque chose, si c'est bon, si c'est pas bon. Si c'est bon, c'est là, tu vas t'adhérer. Je me suis adhéré, mais de toute façon, je vois qu'on me coupe, c'est là, je suis quitté. Et quand Sauve des Forts a lancé un projet de construction, Laurier, c'est là que j'ai visé toutes les banques-là. Mm-hmm. Laurier 11, il y a ma maison à Yopougon. C'est pour cela. Mais il y a... Si tu prends de l'argent, tout l'argent, tu viens à la maison, ma soeur, madame, ça peut pas faire une semaine, deux semaines, l'argent est fini. Et quand l'oublier est fini là, ah, moi j'ai rendez-vous à dire, il coupe dans mon salaire là-bas. Si je vais au guichet, je pleure, mais ça m'arrange. D'accord, donc c'est-à-dire pendant que ça se passait, vous n'avez pas la possibilité de réaliser vos projets pendant que vous étiez en train de faire cela. C'est ça. D'accord. Et comment ça se passait à la maison? Est-ce qu'il y avait de quoi à manger? Comment est-ce qu'on gérait ça, maman? Comme moi-même, j'aimais vendre. Quand je suis venue, j'ai commencé à prendre poisson au bord de Komoué pour vendre. Mm-hmm. Je livrais dans les bureaux. Mais comme ce n'est pas duré, c'est au bout de 2 ans. Komoué, c'est à l'épée. Mon premier poste, c'est là-bas. J'ai fait 5 ans. Lui aussi, il a coupé. Et puis, en ce moment, moi aussi, je suis bien assis dans le commerce. Donc, c'est vite passé. D'accord, mais pendant qu'on était dans ces moments-là, un jour, vous lui avez demandé, mais est-ce qu'il n'est pas payé? Ce que je sais qu'il est payé. Je sais où l'argent rentre. Mais je ne paye rien. D'accord. Et comment est-ce qu'on vivait à la maison? Donc, il fallait que vous alliez maintenant travailler pour ramener de quoi à la maison, c'est ça? Si il n'y en a pas, je me débrouille. Parce que vous vendiez aussi fagots et tout ça? Oui, je faisais fagots, je livrais fagots à beaucoup de boulangers. Donc, c'est comme ça qu'on faisait pour tenir. Parce qu'on... Mais est-ce que quand vous parlez avec lui souvent, on a le sentiment que bon, moi-même tout ce qu'il dit là, ça compte pas, il ne prend pas ce qu'il dit là au sérieux. En tout cas, c'est comme ça, maintenant j'ai fait que je me suis retournée. Parce que si je vais dire que, en tout cas, pour vivre avec lui, il ne faut rien dire. S'il a fait, le jour qu'il est content, il dit, ah, voilà ce qu'il fait, que c'est bon, Dieu merci. Si ça arrive de quoi que ce soit, pour rien dire. Parce que si tu as dit aussi, il ne va pas accepter. Donc, c'est comme ça, j'ai laissé un peu. Avant, mes enfants sont petits, ça pesait sur moi. Mais quand ils ont grandi maintenant, là, c'est bon. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on reproche à papa? Seulement comme mariage, ce n'est pas comme mariage que lui-même, ce n'est pas lui-même qui m'a choisi. Mm-hmm. Et moi-même, ce n'est pas moi qui l'a choisi. Mm-hmm. C'est le mariage de deux parents. Donc, quand son oncle vivait, c'est lui qui faisait mon poids. En cas de cas, je m'en vais auprès de lui. Mais comme lui aussi, il est mort. Donc, j'ai laissé tout. En tout cas, j'ai fermé tous mes oreilles. C'est bon, c'est blanc, c'est noir.
D'accord, donc vous avez fait fi de beaucoup de choses. Papa, ne pas demander son avis là. Est-ce que ça vous portait chance? Elle demande son avis, elle fait commerce. Mm-hmm. Moi, je ne peux pas lui demander. Pas. Quand tu vas demander là, elle dit, ouais, mon agent là, il dégage quoi. Donc, je laisse. Afoué, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose au couple? Oui, je voudrais demander à maman. C'est vrai que ce sont les parents qui vous ont mis ensemble, mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez appris à aimer papa? Oui. J'ai aimé. Donc, c'est pour ça que je suis restée. Et dans l'amour aussi, les enfants sont nés. Je trouve que si j'ai une année, mes parents disent vraiment, ils ne veulent plus me voir de telle manière. Ils m'ont pris. J'ai passé 4 mois au village. Quand je suis venue, vraiment, mes enfants là, ce n'est pas ça. En tout cas, j'ai dit à mon oncle que je vais partir. Il m'a dit de laisser. Pourquoi je vais venir? Il dit, je vais partir auprès de... Où j'ai trouvé que c'est dur, je ne peux pas laisser les enfants là-bas et puis venir rester à la maison. Donc, à cause de mes enfants. D'accord, maman. On va revenir. Vous avez dit, c'est parce que vous l'avez aimé que vous avez supporté des choses. Est-ce qu'on peut revenir? Qu'est-ce que vous avez supporté? Ce que j'ai supporté beaucoup de choses, mais il a un petit mot souvent. Si il a quelque chose, hein, toi tu parles, il ne peut pas dire « Ah, ce que j'ai fait, c'est bon. » Il dit « Si tu fais, il faut partir. Si tu vas partir, prends tes enfants, vous allez partir. » Ça là, je pourrais prendre mes enfants pour aller. Mm-hmm. Mais beaucoup d'enfants là, je ne peux pas ramasser, aller déposer chez mes parents. Ce n'est pas normal. Donc, au lieu d'aller les enfants déposer partout, lui il dit comme ça, il m'en fout. Le reste, maintenant là, je ne fais plus qu'à. Mmh. Ils disent c'est blanc, et c'est là. Mais tout ça, vous avez mis ça sur le compte de l'amour, c'est ça? Non, mmh. Parce que vous l'aimiez. Mmh. Papa, est-ce que vous êtes tombé, à quel moment vous êtes tombé amoureux de maman? Mais l'amour là, c'est pas comme un tissu blanc, on met sur toi pour voir. Et ça là, c'est blanc. Mmh. Ça est dans le corps. Donc votre amour pour elle est dans le cœur. Elle va parler où? Elle va m'accuser où? Moi, je dis rien. Quand je vais agir de façon, c'est là. Sinon, quand elle fait comme ça, moi, je ne parle pas. Quand elle fait comme ça, vous ne parlez pas, vous êtes concentré. Ah bon. Tout ce qu'elle dit là, vous n'écoutez pas parce que. Bon. Si je vais répondre là, c'est pas grave. Si je vais répondre, je dis tout ça, merci ma tête. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. On laisse comme ça, on supporte comme ça. Et aujourd'hui, ça fait qu'il y a 45 ans. 45 ans. On n'a pas boxé. Il faut lui demander, je n'ai pas frappé. Et je ne veux pas la frapper aussi. Nous, on est vieux. Donc, vous ne lui avez jamais porté main? Non, je ne peux pas. La seule chose qu'on vous reproche, c'est peut-être que vous ne demandez pas pardon. Pardon, là. Si elle a raison, je lui demande pardon. Mais si elle n'a pas raison, je ne peux pas lui demander pardon parce qu'elle est ma femme. Non. La Bible dit, il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, si elle a raison, ça, je lui dis, tu as raison. Mais si elle n'a pas raison, ma femme, pardon. Elle va reprendre plus tard. Oh. Comme j'ai fait ça, elle va demander pardon. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que vous ne demandez pas pardon. Si j'ai raison. Là, si tu as raison. Voilà. Mais est-ce qu'il est arrivé des moments où elle avait raison? On ne peut pas tout dire, madame. Non, papa, on est là pour tout dire, il faut nous dire. Il y a eu des moments où elle avait raison. Elle a eu raison souvent, non? Elle a raison souvent. Mais tu ne demandes pas pardon. Maintenant, comment tu fais pour demander pardon, là? Faut faire comment tu fais? Si elle parle, là, moi, je ne parle pas. C'est ça. Tu ne parles pas quand tu as raison. Quand elle a raison, tu ne parles pas. Quand elle a raison, tu parles là, ça c'est pas grave. C'est pas grave. Donc quand elle a raison, toi tu parles pas. Je parle pas. Donc toutes les fois où maman a parlé. C'est pas toutes les fois. C'est rare. Une fois elle est partie au Canada, elle a fait un an. C'est là-bas que j'ai une fille de elle. Ah, elle a fait un an. Maman, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire de Canada? Faut nous expliquer. Non, on a notre premier fils est là-bas. Mm-hmm. On a fait 7 enfants. Waouh. Le premier est là-bas, le deuxième en Suisse, le dernier au Canada. Mm-hmm. Donc, elle est allée là-bas. Donc, elle est partie un an. Elle allait pour s'occuper de l'enfant, c'est ça? Donc, quand elle est partie, il faisait froid ici. C'est ça? L'année là, il y a eu le matin ici. Oh, d'accord. Il y a eu le matin en Côte d'Ivoire ici. Mm-hmm.
la mer débordée là. Donc c'était compliqué. Ma soeur, l'homme est limité. L'homme est limité, papa. Donc c'était compliqué. Tu vois, donc, l'homme est limité, mais c'est pardon qui renferme tout. Voilà, donc, après, je lui ai demandé, il dit, ah, je suis tombé aux mains, pardon. Voilà, donc maman, il a reconnu, non? Il a reconnu. Donc, maman, elle, il a reconnu, non? Ah, bon. Voilà, donc je dis, elle dit tout ça là, c'est bien. Je me réjouis de la vie de mes enfants, c'est tout. Ceci, on va en venir. En fait, là, dans la zone de turbulence, chers téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes en train de permettre au couple Dion d'exprimer réellement ce qu'ils ont vécu. C'était quoi, par exemple, le comportement qui faisait que tu n'aimais pas? C'est communication. S'il y a quelque chose, et puis on ne se parle pas. Si c'est bon, c'est noir, tu parles, on se... Il n'y a pas de détails, il n'y a pas vraiment. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Si je dis, j'ai suivi beaucoup de choses, est-ce que je vais durant 45 ans, c'est quoi, il ne me change pas. C'est comme ça aussi, je l'ai pris. Donc, maintenant, on est là. Papa, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aimait pas chez maman? Non, je l'aime. Tout ce qu'elle fait, je l'aime. Elle, tout ce qu'elle faisait, tu ouais. Comportement, je mets tout. C'est ça, c'est là, elle laisse pas ça, elle parle pas mal. C'est que la partie de la chute, en fait, vraiment, là, qu'elle revient là-dessus. Sinon, vous n'avez rien à lui reprocher. D'accord. En tout cas, vous avez pu comprendre tout au long de cette zone de turbulence que dans le couple, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des soucis d'incompréhension, des soucis de communication, des soucis de cohésion parfois. Mais on arrive à surmonter les différentes étapes. Comment est-ce que les Dion ont pu tenir pendant 45 ans malgré toutes ces difficultés? C'est ce que je vous invite à découvrir dans la prochaine rubrique. Dans Conseil Conjugal, nous essayons de trouver les solutions et vous présenter les palliatifs pour les différentes difficultés rencontrées dans la vie de couple. Là, je vais me retourner vers Afoué et lui demander comme ça, dans la vie de couple, est-ce qu'on a obligation d'aviser l'autre pour toutes nos prises de décision? Oui, je dirais oui, oui et oui. Nous vivons à deux, donc toute décision va forcément impacter notre époux ou notre épouse. Donc, il est important de pouvoir partager les prises de décision. Informer son partenaire, son conjoint, sa conjointe de la situation, de l'intention, de l'action qu'on veut poser. Et ensemble, nous prenons une décision avisée en toute responsabilité, en toute connaissance des conséquences qui pourraient arriver. Parce que quand les conséquences vont arriver, c'est à deux que nous allons les subir. C'est à deux que nous allons les assumer. Donc, c'est important de partager les prises de décision. Et quels sont les risques qu'on court en couple qui ne s'avisent pas avant de prendre des décisions? Alors, le premier risque, déjà, c'est le risque de scission dans le couple. Parce que forcément, l'autre qui n'avait pas été informé au début ne va pas être content. Donc, on a déjà émotionnellement, on a un mauvais sentiment qui va naître. Ensuite, on peut avoir le risque de désolidarisation. Tu ne m'as pas informé pour prendre telle décision. Les conséquences sont arrivées. Tu te débrouilles, tu te démerdes tout seul pour gérer ton affaire. Donc, il y a ce risque-là de désolidarisation. Et je vais même pousser le bouchon à aller plus loin. Ça peut même entraîner une séparation. Tout dépend de la gravité des conséquences que aurait entraîné cette décision-là. Et pourquoi certains hommes ont tendance à dire comme ça qu'ils n'ont pas besoin de leur compagne pour faire quoi que ce soit? Je reviens à ma formule magique, tout dépend du départ. Madame Dion a dit que son époux l'a vue petite. Et on sait que c'est la vieille génération. Donc quand il voit une femme, même certes, bien qu'elle soit son épouse, il la considère pas comme quelqu'un de mature, quelqu'un qui est suffisamment responsable, quelqu'un qui a même de lui donner des conseils avisés. Donc tout dépend de l'image qu'on a de sa conjointe. Est-ce qu'on a confiance en cette personne? Est-ce qu'on a confiance dans le jugement de l'autre? Est-ce qu'on estime que l'autre a suffisamment de jugeote pour nous donner un conseil qu'on doit suivre? Si on ne l'a pas, évidemment, on va avoir tendance à ne pas associer l'autre dans ses prises de décision parce qu'on estime que rien de bon
ne peut venir d'elle. Monsieur Dion estimait que sa femme n'avait pas fait l'école, elle n'est pas instruite, donc elle n'est pas suffisamment intelligente pour lui donner des conseils dans certains domaines de sa vie. Donc, tout dépend de comment on perçoit notre partenaire. Tout dépend de la perception qu'on a de notre partenaire et du regard qu'on a sur elle. Et maman, quels sont les compromis que vous avez trouvés pour supporter ce qui se passait? D'après si elle dit, c'est à cause de mes enfants, mon premier fils dit non. Ou qu'il a épousé là, je n'ai pas encore né. Donc, je l'ai aimé. Et puis, mes enfants aussi, je n'aime pas parce que maman m'a laissé petite. Et il n'est pas laissé avec mon papa. J'ai suivi beaucoup de choses. Je ne veux pas que mes enfants suivent ça. Donc, avec tout ce que je vois devant moi, je dis non, c'est mieux de laisser avec mes enfants. Et les supporter. Est-ce qu'il est arrivé des moments, papa, où vous êtes mis en cause? Vous avez dit, ah, on dirait ici, là, j'ai mal fait. Est-ce qu'il est arrivé des moments comme ça? Pour faire parler avec elle. Non. Quand il y a eu des situations, est-ce qu'il arrivait des moments où vous avez dit, ah, on dirait que ici là, ma femme avait raison et c'est moi qui n'ai pas bien fait? Ouais, il y en a. Faut nous expliquer. Bon, souvent, quand tu as un mauvais camarade là, tu collabores avec ces hommes, ces enfants, ces camarades là, des coins où vous passez, des causeries, des choses que vous faites là, souvent, quand c'est pas bon pour une vie comme ça là, pour une famille encore, souvent elle me dit où tu vas là, où allez, les hommes tu collabores là, c'est pas bon. Ça seulement elle me dit. Est-ce que vous pensez que si c'était pas elle, une autre femme serait restée avec vous malgré l'attitude que vous aviez? Bon, selon la volonté de Dieu. Hein. Bon, moi je peux pas connaître aussi les sentiments de l'autre femme. Peut-être, elle sera contente de ce que je fais, ouais. Ou elle ne sera pas, ouais. Moi je ne sais pas. Ouais. Je ne connais pas son caractère. Madame Dion, quelle leçon vous tirez de votre vie de couple? Quel est l'enseignement qu'on doit sortir de votre histoire? Seulement, ce que j'ai à dire, c'est la patience, beaucoup de patience. Où je suis là, mon âge a avancé. Plus j'ai de mon âge, ceux qui ont voulu avoir la vie facile, beaucoup ne vivent pas aujourd'hui. Parce que j'ai trouvé que les garçons, ils ont même fait. Il y a petite chose seulement qui va changer. Les garçons, ils sont même chose. Si tu vas dire que ici, ça ne va pas, je vais aller chercher, peut-être même où tu es quitté là. Ça ne va pas, mais il y a petite chose qui va. En même temps, est mieux. En même temps, est mieux. Et les foyers qui se divisent maintenant, là, c'est pour les enfants qui me font mal. Parce que les enfants ont subi beaucoup de choses que les jeunes couples de maintenant, là. Les caractères de garçons, c'est rien. Si tu enlèves, il y a un jeune qui dit, même si on te découpe, hein, si tu veux que ça te fait mal, ça te fait mal. Mais si tu fais d'une manière, la douleur, là, ça passe. Il faut te concentrer, la douleur, là, va passer. Mais dans les bonnes manières. Donc, il faut se concentrer pour que la douleur passe et dans les bonnes manières. Il ne faut pas se laisser aller facilement à la colère. À la colère. Et puis, dit que mon mari sort, je sors, je vais chercher facilité ailleurs. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui déstabilisent les foyers. Vraiment, que les femmes prennent à cœur l'amour de leurs enfants. Moi, ces couples se divisent, c'est les enfants même qui me font très mal. Donc, vous étiez focalisé sur l'épanouissement de vos enfants. Oui. Donc, c'est cette âme-là qui vous a aidé à supporter tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, vous avez 45 ans. Bon, il n'y a plus rien à... Il y a, comment dire, tout se passe bien maintenant. Ça va bien. On est tranquille. Il n'y a plus de soucis. Je n'ai plus de soucis. D'accord. Nous avons des gens qui vous connaissent et qui ont accepté de témoigner. Suivons l'élément. Et on revient juste après. Le couple Dion représente le réconfort, la protection, la sécurité pour moi, parce que étant dans cette famille, j'ai vraiment tout ce que j'ai besoin. J'ai des amis, j'ai des grands frères, j'ai des frères, et c'est ce que le couple
Dion représente pour moi. Quel genre de parents sont-ils? Je peux dire, mon père, en fait, lui, il est le feu. Et puis, ma mère, elle, elle est l'eau. Voilà. Parce que mon père, lui, il est un peu dur avec nous. Par contre, ma mère, elle est plutôt protectrice et en même temps, nous corrige quand il le faut. Voilà. C'est, en fait, les deux se complètent. Les deux se complètent. Et vraiment, les deux ensemble font que nous, les enfants, nous profitons dans la mesure où on arrive à être éduqué quand il le faut, on arrive à être corrigé quand il le faut, on arrive à avoir des corrections quand il le faut également. Voilà. Et aussi de l'amour quand il le faut. La leçon que j'ai appris de mes parents, c'est l'honnêteté, le respect des grandes personnes, le respect de la société, l'intégrité, l'honnêteté et la franchise. Voilà, c'est ce que j'ai appris de mes parents. Bon, il y a plein d'autres qualités qu'ils nous ont appris, mais je préfère citer celui-là. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie, de paix. Et je suis content de voir mes parents toujours ensemble. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir voir leurs parents ensemble. Voilà, mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai pu voir mes parents jusqu'à présent ensemble et vraiment, je suis content, très heureux même. Je suis fier de mes parents, je suis vraiment, vraiment fier. Il faudrait que vous sachiez que ça n'a pas été facile parce qu'avec mon père est un peu difficile par rapport à ma mère, mais elle arrive à tenir, elle arrive quand même à pouvoir supporter, elle arrive vraiment à pouvoir vraiment tenir le cap. Voilà. C'est ce que je peux dire, c'est le sentiment que vraiment j'ai pour voyant mes parents ensemble, de fierté, d'honneur. Je suis vraiment heureux pour cette grâce que la vie et Dieu m'offre. Alors, je veux dire à mes parents de continuer d'être heureux, de continuer d'être des modèles pour nous, de continuer d'être des sources d'inspiration pour nous, de motivation pour nous. Et que nous aussi, les enfants, nous ferons notre effort afin qu'ils soient toujours fiers de nous. Alors, c'est tout ce que je pouvais dire par rapport à mes parents. Alors, maman, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait plaisir et j'oublie tout passé. Ça me donne la force. En tout cas, je me réjouis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dieu m'a fait du bien. Papa et toi? Bon, ouais, c'est nos enfants là, vraiment, ils se sont bien comportés. Puis j'avais des amis même, mais les enfants là, voilà, si tu vois maintenant, là, tu n'as pas envie de faire enfant même. D'accord, en tout cas, merci d'avoir accepté de partager ce témoignage sur l'histoire du couple Dion. Ici, on a notre petite causerie entre nous. Ah. On a un petit débat, on va faire ça tout de suite. C'est dans Amour et Désamour. Amour et désamour, le sujet du jour est le suivant. Le mariage garantit-il la stabilité sociale? Papa, est-ce que le mariage détermine la stabilité? Ça dit, on est obligé de te respecter parce que tu es marié. C'est le plus grand amour, ça. Si tu es marié, tu es respecté. Même si tu es dans service, si tu es marié, tu es respecté. Donc le mariage est important. Oui, c'est important. D'accord. Maman, et vous? Moi, marié là, c'est pas ça qui fait l'homme. C'est l'homme même qui se respecte. Toi qui n'es pas marié, marié là, ça fait quoi? Ça fait même deux problèmes. Si tu es marié, tu n'es pas bien marié. D'après notre jargon, on dit marié même peut t'envoyer à l'enfer. C'est mieux de vivre seul. Et même si tu es dans le foyer, même il faut bien vivre aussi. Même tu peux être dans le foyer et puis tu n'es pas bien comporté et puis tu n'es pas respecté. Donc, respect là, c'est toi-même qui fais qu'on te respecte. Donc, les femmes qui sont seules ou qui sont seules aujourd'hui, on ne devrait pas utiliser le mariage pour les qualifier. Non, ça là même, quand tu fais quand tu t'en te mets dans les mains qui n'est pas bon. Donc, pour vous, c'est le travail. C'est le travail, c'est le travail. Toi-même, tu te respectes et puis ils vont te respecter.
Tu vas dire, je vais marier un petit, tous les petits-enfants, ils vont venir vers toi parce que tu es en train de chercher mariage. Quelqu'un qui va venir bouffer tout ton argent, il va venir rester avec toi. Si l'argent finit, il s'en va. Est-ce que tu es marié comme ça? Non. Tu vas dire que mariage, et puis tu es dans le foyer. Un garçon même, oh Seigneur, il y a une fille même, le monsieur l'a mariée, mariée 3 ans. Il l'a laissée dans la maison, il est parti avec 2 enfants. Est-ce qu'elle va dire qu'elle est heureuse? Elle n'est pas heureuse. Et c'est l'homme qui se fait l'homme, c'est pas mariage, c'est pas quoi que ce soit. Même tu peux être célibataire et puis tu es respecté. D'accord. En tout cas, merci maman pour ce point de vue et que j'apprécie et que j'affectionne. Avouez. Et pour renchérir à la suite de maman, ce n'est pas le mariage qui va vous accorder une stabilité. Il faut que vous-même, vous soyez stable. Trouvez votre propre équilibre. Soyez responsable. Ayez des objectifs clairs, une vision claire de votre vie. En ce moment-là, quand vous avez trouvé votre chemin, lorsque vous vous mariez, le mariage va venir, c'est comme un intensificateur de ce que vous êtes. Si vous êtes bien dans votre peau, lorsque vous allez vous marier, vous serez davantage bien. Mais si vous êtes mal dans votre peau et que vous vous mariez, vous allez être davantage mal. Et comme maman l'a dit, se marier, oui, mais il faut bien se marier. Donc, qu'il n'y ait pas de complexe. Nous pouvons ne pas être mariés et être quelqu'un de respecté. Être marié et puis ne pas être respecté parce qu'on ne va pas avoir les bonnes attitudes dans le mariage. On ne se serait pas marié pour de bonnes raisons. Donc, l'équilibre social dépend de l'engagement personnel de chacun à vouloir être équilibré, à vouloir être épanoui financièrement, apprendre à travailler, apprendre à générer de la ressource nous-mêmes. Quand on écoute le couple Dio, le papa travaillait dans l'administration, la maman était commerçante. Elle n'est pas partie à l'école, mais elle savait générer de la ressource. Quand le papa nous dit qu'il a pris son argent pour souscrire à 2 assurances, je suppose que quand on lui coupait les assurances, maman l'a dit, il n'y avait plus de quoi nourrir la famille. Mais maman travaillait. Donc, chère dame, apprenez à travailler pour générer de la ressource. Une femme célibataire est respectable. Un homme célibataire, parce qu'on a tendance à croire que c'est que les femmes qui sont avides de mariage, mais aussi les hommes, sans complexe, vous êtes responsable, marié ou pas. Ce n'est pas le mariage qui vous rend responsable. Si vous êtes irresponsable, même dans le mariage, vous allez demeurer irresponsable et détruire la vie de votre partenaire et même de vos enfants. C'est tellement affreux, je vous assure, de vivre le célibat dans le mariage. Je ne le souhaite à personne. Donc, soyez équilibré et stable d'abord avant de rentrer dans le mariage. Amen. Merci infiniment, Afré. On comprend que le mariage n'est pas condition sine qua non de bonheur ou d'existence. Vous pouvez continuer le débat chez vous. Nous sommes au terme de notre émission. Nous allons nous tourner vers monsieur et madame Dion et demander leur mot de fin. Papa, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre histoire? Lorsqu'on dit le couple Dion, qu'est-ce qu'on doit retenir? D'abord, il y a un langage qui dit il faut obéir à la loi. D'après, il faut obéir à la loi, même si on la désapprouve. C'est une loi. Et il faut aussi, toi aussi, te prendre en charge dans le norme. Il faut te respecter. Là, dehors ou dedans, on va te respecter. Le respect. Maintenant, le mariage vient couvrir. Tu peux te marier, mais si tu vis dans le désordre, tu fais ce qui n'est pas bon, Dieu n'est pas avec toi. Mais il faut obéir, il faut respecter. Là, toi, tes enfants, ta famille, Dieu vous protégera et vous donnera une longue vie. Merci, papa. Maman, qu'est-ce qu'on doit retenir? Un message à l'endroit de toutes ces femmes qui suivent en ce moment un couple, une histoire. Tous mes enfants qui me regardent aujourd'hui, je leur dis, tenez bon. Ne se laisse pas porter par distraction parce que le monde a été toujours comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui peut changer. Si toi-même, tu n'es pas changé à ton endroit, ce n'est pas la peine de laisser ton enfant parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas marché, je vais partir. Ou bien parce qu'aujourd'hui, on ne s'est pas compris, je vais partir. Les garçons, ils sont comme notre enfant. Aujourd'hui, ça ne va pas, mais demain, tu vas voir encore, il est toujours dans ta main. Moi, j'ai eu 8. Lui, il fait 9e.
C'est comme ça qu'il est classé. Donc, pour vous, vous avez 8 enfants et il est le 9e. Il est 9e. Donc, vous le prenez comme ça, comme un fils. Oui. Et ça vous aide à avancer, ça aide à surmonter et à affronter les difficultés de la vie. Ça, c'est bon. Sinon, tu ne peux pas dire que je vais chercher mieux ailleurs, il n'y a pas mieux ailleurs. Ils n'ont qu'à tenir bon, ils n'ont qu'à se battre. Femme, tu dois te battre. Te battre avec toute ta force. Parce que les enfants qu'on nous éduquons là, si l'enfant est plein, qu'il a mangé, il est rassasié, tu donnes le conseil, il va comprendre. Mais si l'enfant a faim, tout ce que tu vas dire, il ne peut pas respecter. Et ton enfant à l'école, il vient. Maman, j'ai besoin de ça. Si papa n'en a pas, toi aussi tu n'en as pas. Il va aller mettre sa main où on ne doit pas mettre la main. Voilà ce qui m'a donné la force. Je me suis beaucoup battue. Ceux de force, son salaire, ce n'est pas trop grand. Mais on s'est aidé. Les 8 là, et tous ils ont bac. Et tous ils ont diplômé. Mais avec nous deux, on s'est aidé pour faire. Aujourd'hui, je dors bien là. Je n'ai même pas de problème. Chacun a fait enfant, il est chez lui. Je n'ai pas de problème. Si je négligeais, aujourd'hui, ils vont faire enfant, ils vont venir me charger à la maison. Aujourd'hui, j'ai fait même manger à la maison bien. Demain, si j'ai fait Elie, il va m'attendre avec mon transport. Je n'ai pas de problème. C'est comme ça la vie. Il ne faut pas avoir peur aujourd'hui et puis demain, tu vas aller tomber ou tu ne veux pas tomber. D'accord, maman. En tout cas, merci infiniment. On retient qu'il faut se battre. Il faut avoir de la hargne. Il faut vouloir gagner. En tant que femme, on ne doit pas s'adonner à la facilité. Afoué. Alors, en mot de fin, j'aimerais dire à nos téléspectateurs qu'on ne part pas au premier coup de vent, à la première tempête. Il ne faut pas partir. Il faut avoir de la résilience. Quand on entend 45 ans de vie commune, ça plaît à tout le monde, mais c'est 45 ans jalonnés de beaucoup de pardon, de beaucoup de compréhension, de beaucoup de compromis et surtout, ayez un pourquoi fort et un pourquoi vrai. Merci infiniment. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes au terme de notre émission En couple une histoire. Nous avons reçu pour vous ce jour Monsieur Dion Yula. Il est prospecteur à la retraite. Et Zio Mawa, épouse Dion, elle est commerçante. La coach du jour, Diante Afoué Emmanuela Adjafi, qui est architecte de vie, conseillère matrimoniale. Merci d'être resté en notre compagnie. Et si vous souhaitez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook de Première Ligne. On se donne rendez-vous pour une autre émission. Mais d'ici là, ayez beaucoup d'amour, beaucoup de patience dans votre vie de couple. Et comment on dit au revoir en Yakuba? Watara. Voilà, donc ensemble on va dire Watara.